a fait plainte contre Guillaume Kibafouri Soro déposé en France. Soro contre-attaque et porte plainte contre les plaignants. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les avocats de Guillaume Kibafouri Soro annoncent avoir déposé une plainte contre les plaignants qui, il y a 7 jours, ont déposé une plainte à Paris contre l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour assassinat et crime de guerre. Un média français a dévoilé le 15 mai 2020, dans un reportage, la plainte déposée par les avocats contre les 6 personnes à l'origine de la plainte contre Guillaume Kibafouri Soro pour crime de guerre et assassinat dans la période de 2003 à 2011. Selon le témoignage de l'un des accusateurs proches de Kassouma Bamba, Dikas, l'un des chefs rebelles tués dans un affrontement interne à Bouaké, la plainte contre l'ancien premier ministre a été déposée parce que le moment serait propice. 15 ans après les faits, le témoin explique que cette plainte n'a pu être déposée parce que Guillaume Kibafouri Soro était premier ministre et par la suite président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant qu'il vit en France et sans aucune fonction officielle, les plaignants ont jugé bon de présenter leur demande à la justice française. Selon les avocats de Guillaume Soro, cette plainte, qui s'inscrit dans une démarche, un calendrier politique et vise à discréditer le candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, est cousue de fil blanc. Une semaine après la réponse des avocats de Guillaume Soro qui qualifient cette plainte contre lui d'opportuniste, avec des faits inexacts et diffamation pour empêcher la candidature de leur client qui dérange parce qu'elle est populaire, ne s'est pas fait attendre. Ainsi dont les avocats de Guillaume Soro ont à leur tour porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre les 6 plaignants dont la fille du sergent chef Ibrahim Koulibaly dit IB. La justice française devra se prononcer sur la recevabilité de la plainte contre Guillaume Kibafouri Soro mais aussi sur la plainte en diffamation contre les plaignants des avocats de Guillaume Soro. Avec ce rebondissement, les prochains jours seront déterminés pour la suite de cette affaire qui n'a pas fini de livrer ses secrets.